le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection, et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Alors, je suis pas convaincu. Pourtant, ça ne date pas d'hier, le signe de croix. Peut-être, mais pour moi, ce n'est pas naturel. C'est aussi simple que la prière. La prière, je comprends, c'est important.
Mais le signe de croix, ça me paraît désuet, comme une sorte de code gestuel systématique, alors que prier... Faire le signe de croix, c'est déjà prier. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, quand tu pries qui ? Dieu. Enfin... Tu n'es pas sûr ? Je prie Dieu, mais c'est vrai que je ne sais pas toujours à qui je m'adresse. Au Père, à Jésus, son Fils, au Saint-Esprit. Voyons. Si on envisage les choses simplement, où est le Père ? Dieu, le Père ? C'est ça. Je ne sais pas, il est en haut, au ciel. Dans les nuages ? Non, au ciel, je veux dire, il est en haut, au-dessus. Je ne vois rien, bien sûr, mais il est au-dessus. Tu regardes vers le ciel ? Ben oui, c'est logique. D'accord, ça c'est pour Dieu le Père. Et pour le Fils alors ? Il est aussi là-haut, au-dessus. Mais il est aussi plus près de nous. Il est en bas, sur la terre. Il est venu d'en haut. Oui, d'en haut, il est descendu. Donc, il y a Dieu le Père en haut, et Dieu qui descend, et c'est Dieu le Fils en bas. Montre-moi comment ça fait. Montre-moi le trajet. Hein ? Comme ça. Et le Saint-Esprit, tu le vois où ? Alors ça, c'est difficile. Je ne suis pas théologien. Le Saint-Esprit, il est partout. Il est le vent, le souffle. Il nous fait respirer Dieu à plein poumon. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui circule, non ? Oui. Donc, on pourrait l'imaginer dans le cœur. On dirait que c'est lui qui fait circuler les choses. L'amour de Dieu, la connaissance de Dieu. Oui. Il est dans le cœur comme le cœur fait circuler le sang dans tout le corps. Il est là. Donc, à gauche de ta poitrine. Exact. Je comprends ce que tu veux me faire faire. Et de là, on se dispose entièrement à Dieu, de gauche à droite. Comme si je me laissais lire par Dieu, de gauche à droite. Pourquoi pas ? On peut même trouver d'autres significations. En tout cas, c'est la Trinité tout entière qui se retrouve dans la croix du Christ. Et moi, je suis derrière ce signe, derrière cette croix, vivant par la croix. Rendu à la vie de Dieu par la croix. Ça dit beaucoup de choses en peu de gestes. Et on pourrait en dire encore d'autres qui exprimeraient notre foi et notre prière. Et exact. Je me marque totalement de la présence de Dieu. Je marque mon intelligence, mon corps, mon émotion et mes sentiments. Et ma posture, droit devant Dieu. Quand j'ai fait le signe de la croix, je vois cette croix. Enfin, pour moi, ça, et c'est une manière de l'inscrire sur mon corps, et c'est très important. Il me semble que c'est très important. Voilà.
Cela dit, je vais pas le faire si jamais mécaniquement, quoi. Si je le, j'ai envie de le faire, ce signe, si je dois le faire, en y pensant vraiment, et un peu ce que fait le sketch, ce sketch-là, quoi. Hein. Et il m'a fait découvrir, rien que de la, comme je disais tout à l'heure, de l'apprendre, de voir que cette intonation de la voix, à un moment donné, monte quand, par exemple, il dit, elle lui demande, mais tu crois en qui? Et, en Dieu. Enfin, je crois en Dieu, mais c'est vrai que je ne sais pas toujours à qui je m'adresse. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour moi, c'est voilà, c'est la Trinité. Elle est tout entière dans cette cette hésitation, cette réflexion. En Dieu, oui, mais qu'est-ce que c'est Dieu? Ah bah oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Puis voilà, il y a tout le sketch après. Moi, le signe de croix, c'est une façon de dire maintenant, j'entre en ta présence. Tu étais déjà là, j'étais déjà là, mais il faut que je me rende compte que c'est différent. C'est à moi d'ouvrir mon cœur. Lui, qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Baby.